Salut les gones, ici vos bandits 6-9 en compagnie d'Athéna. Bonjour mon petit, oh bah oui ma petite précise, bonjour. Miaou miaou, miaou miaou. Non, elle vous dit bonjour. Bah et moi? Tu m'aurais pas oublié par hasard? Et je suis en compagnie de... Allez, de Carrier Prime, de Galatine, ouais. Prime, d'Axileto Prime, Tigris Prime et de Charles Azir. Et moi? Bonjour. Ah pardon, c'est toi. Oh pardon. Bonjour Soud. Salut. Je sais que tu m'avais oublié. Et on se retrouve pour une nouvelle Roomba des boss pour l'épisode. Tu sais jamais. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est Ambulance. Allô, t'es là? Oui. Je suis là. Allez, un, deux, Houston, nous avons perdu Noisette. Nous sommes plein dans ce délire. Oh pardon, excusez-moi. Oula. Bon attendez, il est le temps que je reprenne mes esprits. Et re tout le monde, désolé pour le fou rire qu'on a pris tout à l'heure. C'était bien marrant. Donc pour avoir la pour Pluton, là, il faut faire la jonction de Pluton qui est sur Neptune. Et pour avoir la jonction de Pluton, il faut faire la quête du second quête. Sublime quête. Battre la Metiena, elles sont 3. Terminer une mission d'espionnage sur Neptune. En ayant les dans extrait 3, les 3 données, vous aurez ainsi le Chroma System, le Dragoon et la jonction. Enfin, il faudra faire un truc sur la jonction, mais je vous en dis pas plus. Vous ferez, vous découvrirez lorsque normalement, vous ferez. Hop. Toutes les jonctions, normalement, c'est à peu près pareil. Donc, ouais, c'est à peu près pareil. Vous battez une Warframe. Je suppose. J'en ai battu le niveau de la Warframe. Ouais, j'en ai battu 3 ou 4 pour l'instant parce que j'en ai un peu rien à faire. Bah, j'essaie de faire toutes les jonctions parce qu'il paraît que ça XP un peu. Ah, autrement. Je joue pas. Bon, en tout cas, je crois que la dernière. Apparemment, ce qui. Oui, parce qu'il. Il paraît qu'ils auraient diminué un peu là. L'XP des joueurs pour pouvoir XP les jonctions. Par exemple, t'es pile palier 22. Il paraît que tu repasses palier 21, mais seulement. Enfin, tu dois pas repasser le palier par une fois que t'as l'XP. Je sais pas si c'est vrai maintenant, enfin c'est ce qu'on m'a raconté. Bah j'en sais rien du tout. J'en ai aucune idée. Si vous avez des doutes ou si vous avez des réponses, dites-le en commentaire. Alors. Mmh. Dites-le en commentaire. Je ne sais pas. T'as pas fini. Oh non, t'es encore parti? Ouais, c'est sur indisponible. Cool. C'est pas vrai. Dis-moi que j'ai pas le bug. Oh, j'ai le bug. Oh. Je dois relancer le jeu. Bon. Quoi? Mana. À mon avis, à l'avenir, mets-toi en, en ami uniquement, comme ça. Si par jamais j'ai le bug, je peux te rejoindre, les Japans. Je suis en quoi, moi? C'est ça. En machin. Non, oui, t'es en surinvitation, je pense. Quand tu m'arrives. Je suis en train de me mettre dans la. J'ai horreur de ce bug. Il est lancé le jeu. Tu vois, en fait, je suis viendu, je suis reparti. Il est viendu, il est reparti. Bien. J'ai même pas lancé la mission, je suis reparti. Moi, je n'étais pas là, c'est quand même bizarre qu'il y a ce bug là. Hein? C'est quand même bizarre qu'il y a ce bug. Parce que je sais qu'ils ont fait apparemment un énorme correctif la dernière fois. De 100 mégabytes presque. Ouais. Je me rappelle que j'ai fait un bug, mon écran clignotait toutes les 15 secondes pendant 2 secondes, plus ou moins comme ça, ça, ça a perdu le temps. Et ça me saoulait. C'est bon, tu vas vite. Ok, je me mets là. On sait pas. Bon, en espérant que ça fonctionne, hein, autrement ouais, tu te débrouilles sans moi. Ouais. On va pas s'amuser à ça. Hein. En charge, je suis à la moitié. Je sais pas. Ah, des fois, Warframe avec leur bug, franchement, ça. C'est chiant. Mais ils en ont corrigé un paquet en tout cas. Oui, ils en ont corrigé un paquet. D'ailleurs, que. Ah, ben voilà, me voilà. Bon, moi je rush hein. Je vais directement sur un bubu. Oh, oh, oh.
Waouh. Bonjour les mobs. J'ai été trop vite, j'ai traversé. Ah, vous avez besoin des gels, des feuilles de givre pour... Ah, ça s'appelait des gels feuilles avant. Oui, ils ont changé. Mais comme le second rêve, maintenant c'est le deuxième rêve. Moi j'ai le second rêve, pour faire chier. Il y aura peut-être un troisième rêve. Yeah. Attends. Parce que souvent quand on dit second, c'est qu'il n'y a rien après. Attends, ça qui m'étonne. Donc il vous en faudra des gels feuilles, enfin des feuilles de givre. Pour la quête de Titania. Et au fait, tu m'as pas attendu? Ouais, je t'attends, il y a une porte verrouillée. Ah, pardon. Excuse-moi. Ouais, mais c'est normal, hein. Je papillonne. Ça va, j'ai pas pété. Normal que je sois avec mon static core. Je sais pas. Lui, il est là. Attends. Laissons-le parler. Qui parle? Bah, il dit rien, il fait. Ah oui! Un pépite! Pire que le sergent celui-là. Et non, pas de deux instructions pour toi aujourd'hui, bonhomme. Eh bah non! Je ne donne que des plaques. Eh bah non! Que des plaques d'alliage! Allez, on se barre! Allez, tapez! Adios! Adios, amigos! Il y a quelques mobs à l'avant. J'ai pas de pain. Oh, je suis plus sur mes doubles. Ouais, voilà. J'ai distrait avec un. J'irais plus une lanterne. En fait, je comprends pas très bien le pouvoir 2 de Mirage. Je comprends. Ça piège les environs, je pense, ouais, c'est ça. Mais... Par exemple, les portes, ça active des lasers pour les ennemis. Ouais, mais ça, oui, j'ai compris. Et à quoi ça servait pour le reste, il y a des choses. Que... Le mode syndical, les loot qui à terre, ils deviennent explosifs. Ça, c'est pas mal. Non. Par exemple, t'es en survie. Ouais. T'as fait exploser les mobs. Maintenant, je sais pas si tu perds les loot. Hein. Après, je sais pas. Donc, nous gagnons Bubur, Excalibur. Canalisation d'énergie nous a donné. Et on a eu la chance d'avoir le châssis. On a eu le châssis d'Excalibur. Ça, je m'en fous un peu, je l'ai. Moi aussi, j'ai Bubur. Je l'ai revendu, puis ouais, je l'ai refarmé pour le réavoir. De toute façon, il va falloir que je polarise. Ouais, il va falloir le polariser. Si j'ai pas assez polarisé d'armes. Excalibur, perso, la prochaine mission que j'irai sur Saturne, je le prendrai. Ah, hein, pourquoi? Je vais Saturne. Excalibur, ben... J'ai un chargement. Une mode merde. Qui n'aboutit à rien. Bubur. Tu es dans un chargement? Ah non, je suis arrivé, je suis dans mon vaisseau. Alors, Bubur. Donc je vais vous montrer à quoi ressemble Bubur. Hop, ça c'est mon. Il est buré. Il est complètement buré. Ce que je disais. Donc il arrête de buer. Donc, moi, hop là, donc vous voyez à quoi il ressemble de base. Donc, vous avez l'habitude. C'est un des trois personnages que vous avez de base. Comme il y a Mag. Volt et Mag. Vous l'avez en battant. Nefanios. Et Volt, vous l'avez dans le dojo. Volt, il est dans le dojo. Labo Tendo. Laboratoire Tendo. Désolé si je te répète. C'est un perroquet en fait, c'est pour ça. Eh, c'est un perroquet. Ah non, ça c'est un poulet. Un poulet ça. Lui fait trop bien le poulet. Oh non. C'est bien, non? Ouais. Dans les commentaires, maintenant faut appeler sous place poulette. Allez-y. Quoi? Rien. Donc Excalibur et l'entrée en champ, c'est comme la charge de Rhino mais sauf ça découpe. Avec une lame exaltée. Aveuglement radial, ça aveugle. Je sens que j'ai parti. Je sens que j'ai passé au barbe. Oui. C'est pas toi. C'est bien ça. Aveuglement radial, vous aveuglez les ennemis. Vous aveuglez tous les ennemis dans une zone. Dans une petite zone pendant quelques secondes. Javelot radial. On voit plusieurs javelots qui font des dégâts. Et aveugle les ennemis, ceux qui ne sont pas. Non, pas... Il frappe le sol avec voilà, une épée de lumière et il envoie des javelots en cercle. Voilà. Et aveugle les ennemis en même temps, tous ceux qui ne sont pas morts. En gros, par exemple, vous avez un mitrailleur au niveau 50, vous l'enlevez, on va dire, les moitiés de ses PV ou trois quarts de fumée, il est pas mort, vous le voyez. Et l'aveuglé, tu lui fais un finish quoi. Voilà. L'âme exaltée, c'est une onde vague lumineuse qui dégoûte tout. Ouais, je sais pas si je suis clair. Il invoque une épée de lumière pure. Et vous l'utilisez, vous le jetez,
découper les ennemis. Je sais pas si c'est vrai ou faux. Il paraît, en je fait... mets bien, il paraît entre parenthèses, entre guillemets, entre milliards de parenthèses et de guillemets, qu'il ne traverse, qu'il plus, traverse les plus les murs et que ses dégâts sont diminués plus à distance et en fonction de la durée. Plus les dégâts sont diminués. Après, je ne sais pas. Je sais pas si c'est vrai, si c'est faux. Mais en tout cas, mon bubur, c'est Stalker. Un Stalker. Stalker, je sais, il est rouge, il a un autre casque. Je sais. Mais j'ai quand même la Excalibur, le Dread, le Despair et la War. Chacun a son imagination. Excellent. Donc les amis, oui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à commenter, à liker les vidéos, partager. En fait, la quête du second rêve, je reviens à tout à l'heure, la quête du second rêve, vous l'avez sur ma vidéo, enfin sur la chaîne. Je l'ai fait en quête avec The Geek du 17, que vous pouvez vous abonner aussi à sa chaîne. Il a fait une ou deux vidéos sur le Lunaro. Bon, sur ses amis, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Sur ce, salut.